ça chauffe du côté congolais et du côté marocain. Pour ces deux rencontres électriques en temps de les désélections. Bienvenue et merci à vous d'avoir choisi Damas Télé. De partout où vous êtes, nous vous demandons de vous abonner et d'activer le son de la notification. Nous sommes heureux de vous parler encore de ces deux rencontres électriques qui entendent ces deux sélections, la sélection marocaine et la sélection de la République démocratique du Congo. Les Léopards dans une position confortable que le Maroc. Dans la sélection marocaine, il y a deux grandes absences. Le grand Hakim Ziyech, joueur de la Chelsea. Deuxième a décliné son appel dans la sélection, après celui de Mazraoui. Juste après la réparation de son conflit avec le sélectionneur marocain. Tous les Marocains croyaient à leur présence lors de ces deux matchs électriques qui entendent leur sélection. Mais les espoirs des Marocains ont tourné au vinaigre. Juste avant quelques jours de la rencontre, au canal de leur compte informe sur leur forfait dans les deux prochaines rencontres des éliminatoires Qatar Mondial 2022. Une sélection qui connaît sa première polémique, celui des refs. Des refs qui sont jugés de manque de considération ou encore de la manipulation. Apparemment, l'air est au règlement des comptes. Mazraoui, dans une interview accordée, clame son vouloir de revenir encore dans la sélection marocaine. Et il rachérit ses propos pour dire que c'est pour le vouloir de supporters. Du côté congolais, sur une page d'actualité congolaise, on apprend qu'il y a deux féticheurs congolais contactés par l'ambassade marocaine en RDC afin de trahir leur pays, le Congo. Nous pensons que le match a commencé de l'autre côté. Ce qui demeure le grand souci de plusieurs Congolais, le lanterne du côté de l'organisateur congolais, notamment à la sélection. Or, le désir de tout Congolais est de voir les Léopards au Qatar Mondial 2022. Avec une proposition d'une somme colossale, les deux féticheurs veulent trahir leur nation. Que du théâtre du côté congolais. Mais alors, signalons le retour de Meshack Elia et la première sélection de Théo Bongonda et Johan Wissa, qui pourrait jouer un atout considérable pour la qualification de la République démocratique du Congo au Qatar Mondial 2022. L'exigence est que tous les joueurs sélectionnés par les Léopards doivent avoir un compte bancaire. Par cette fois-ci, le gouvernement veille à ce que chaque joueur reçoive sa prime totale afin d'éviter les découragements aux athlètes. Mais alors cependant, ces questions demeurent. Est-ce que cette histoire des deux féticheurs congolais réussiront-ils à faire écarter les Léopards dans ces courses de la qualification du Mondial Qatar 2022? Est-ce que ces deux refs à la sélection marocaine, celle de Ziyech et de Mazraoui, pourront-ils coûter cher à la sélection marocaine lors de ces deux confrontations électriques qui entendent la sélection marocaine? Dans quelques jours, nous aurons des réponses à nos questions. Dans quelques jours, nous verrons ces rencontres électriques qui entendent ces deux sélections, la sélection marocaine et la sélection de la République démocratique du Congo. Dans ces deux confrontations, nous aurons des réponses à nos questions. Qui partira et qui restera? De partout où vous êtes, nous vous demandons de vous abonner et de liker la vidéo.